c'est moi juste qui fais ça. C'est moi, ça, me l'enlevez pas. Dites pas que c'est, je me suis préparée. Dites pas que j'étais gymnaste. Mais est-ce que j'ai le body d'une gymnaste, les gars? Faut savoir, je suis qui? Je suis gros, je suis une gymnaste. Qu'est-ce que je suis? Cette story va durer 24 heures. Après ces 24 heures-là, je ne veux plus jamais parler de cette histoire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je n'en parlerai plus jamais. Et pour moi, elle aura jamais existé. Danse avec les stars, c'est une vraie famille. Et je suis sincère quand je vous dis ça. Parce que dans les familles, on s'aime, on se déchire. Il y a des jours où on parle plus à nos oncles, à nos tantes, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents. Et on s'aime. On s'aime et on se reparle et on se rabiboche. Et aujourd'hui, on en est là. C'est une vraie famille. On s'entend tous bien. On rigole bien. On s'est rabiboché, on s'est compris, on s'est expliqué. Stop. Stop. Que de la danse, que du rire, que du partage d'émotions, que du kiff. De voir que chaque semaine, on est encore plus fort, on est encore plus beau et on y arrive de plus en plus et on se prend de plus en plus au jeu et on pleure quand il y en a qui partent et parce qu'ils vont nous manquer, parce qu'on crée des vrais liens. C'est ça la vie. Juste faites attention quand vous lisez des choses. Faites attention quand vous écrivez des choses. Le Parisien, je vous parle avec mes yeux et mon cœur d'enfant. Moi, je vois mes parents lire Le Parisien. J'achète Le Parisien. Vous n'avez pas le droit de communiquer de fausses informations, de créer des articles avec des on-dit quand vous titrez menace de mort. C'est très grave. Et je dis Le Parisien, mais tout le monde l'a fait. Donc maintenant, j'ai un avocat. Et donc, je vais régler ça en adulte, comme tout le monde a réglé ça en adulte. Paix. Je vous jure, juste paix. Merci à ma communauté. Merci pour vos mots. Merci de m'avoir poussé et de m'avoir encouragé à faire cette émission. Merci pour tous les commentaires d'amour, de force et de joie partagée. Je ne garde que ça. Merci à la production. Si même parfois j'ai pas compris et que j'étais en mode « faites quelque chose », j'ai compris aujourd'hui. Merci d'avoir été là, parce qu'ils ont été là malgré tout, vraiment. Merci de, quand je finis une chorégraphie, de venir me voir et de me féliciter et d'avoir vos yeux ahuris, de « dis-nous la vérité, t'es sûr t'as pas fait de la danse et tout, c'est incroyable !» et de me donner autant de force. Et merci de me faire des câlins, parce que je sais que quand on est des adultes, on fait pas des câlins, mais que dès quelqu'un me fait un compliment dans la prod et c'est des grands adultes de 50 ans et que je les prends dans les bras, merci de l'amour que vous me donnez. Et à tous les gens qui m'ont harcelé, qui ont mis des mauvais commentaires, qui ont fait preuve de racisme avec moi, de grossophobie, et j'en passe, j'ai effectivement supprimé tous les commentaires et bloqué toutes les personnes qui m'insultaient ou qui parlaient mal de moi. À tous ces gens-là, vous verrez pas du coup ce message parce que je vous ai bloqué, mais apaisez-vous et... Vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez jamais et c'est pas grave. Il y a plein de gens qu'on n'aime pas dans la vie et c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas me retirer ma gentillesse. Ouais, je parle avec les mains, j'écarquille les yeux et on a l'impression que j'en fais trop, mais non. J'exprime mes sentiments comme un enfant de 5 ans. J'ai une nièce de 5 ans et du coup, je le sais, je suis comme elle. Et c'est chiant, les gens comme ça. Peut-être, il y en a qui aiment pas. Mais c'est mon caractère, c'est mon comportement. Tant pis, c'est pas grave. Je ne suis ni votre sœur, ni vous. Ne me regardez pas, vous n'êtes pas obligés. Et bref, je vous en veux même pas. Il y a tellement de choses positives dans ce game, dans ce jeu que j'ai choisi, dans ce métier que j'ai choisi, que c'est pas grave si c'est ça. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Et je vais dormir, parce que demain, je vais m'entraîner, parce que cette semaine, je vais danser sur une rumba, les gars. Désolée. Pardon. Paix, joie, kiff, bonheur. Il n'y a que ça. C'est déjà trop dur autour de nous, ok? Et je vous assure que j'en rigole déjà de cette histoire et que j'en prépare un sketch fou. On va juste rire. Et merci pour tout. Merci pour je sais pas finir. Paix. Je vous en supplie.
je vous devais les explications. Ne grossissez rien, ne faites rien, n'envoyez pas de messages méchants à qui que ce soit. C'est horrible à vivre. Pour soi et pour tout son entourage. Vraiment, les gars, faites pas ça. Et du coup, je veux quand même dire merci à mon équipe, merci à mon attaché de presse, merci à ma maman, merci à ma soeur, merci à toute ma famille. Merci d'avoir continué à faire la fête et d'avoir supporté que des fois pendant la fête, je boude parce que j'étais triste. Merci d'avoir accepté tous les moments de colère où je suis en mode, mais vous voyez pas, je suis en train de sourire, je suis en train de donner du love alors qu'on dit que je suis homophobe, que je suis une connasse. Et du coup, il devait rigoler et être triste quand j'étais triste. Bref. Et merci à Kevin aussi. Merci à tout le monde. Stop à partir de ces 24 heures, on a dit, ok? Bisous, et genre dès les 24 heures, je recontinue les stories drôles et tout. Bisous tout le monde. Merci aussi à Likata et merci aux cadreurs et aux journalistes, même si je vous ai disputé parce que j'étais triste que vous ne disiez rien parce que vous avez assisté à la scène. Mais c'est pas grave, maintenant on est tous des amis, ok? Bisous, bonne journée.